Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons voir un montage, donc le montage des leurres, souples, comme ceci, voilà, des calamars, des leurres de calamars souples, voilà. Aussi cette couleur. Aussi des oranges comme ça, voilà. Regardez les leurres en calamar, très souples. On va aussi voir donc le montage des raglous. Donc on a différentes sortes de raglous ici, des petites, différentes couleurs, etc. Sans soupe aussi. Il y a aussi donc des verres en plastique, voilà, des verres en plastique, regardez ici, avec, c'est très souple, on dirait des verres, des vrais verres, voilà. Donc, on a besoin, on va utiliser cet émerillon triple, avec trois œillets. On va utiliser un bildo. Vous pouvez utiliser un bildo ou vous pouvez utiliser donc un plan de 40 à de 35 à 45 grammes. Moi, je préfère donc utiliser les bildos. Les bildos de couleur donc, qui attirent les poissons. Voilà. On aura donc aussi besoin d'une ligne fluorocarbone de 35 centièmes et une ligne de 45 centièmes. Donc, c'est la ligne, le corps de ligne qui vient du moulinet. Voilà, on va donc entamer ce montage. Donc, voilà pour donc, le montage d'un leurre de calamar souple. Il faut donc un hameçon. Voilà. On va prendre un mètre de fil fluorocarbone. Voilà. Un mètre. Voilà. Coupe un mètre, voilà. Donc on fait entrer cet hameçon dans le leurre, voilà, ici donc en arrière jusqu'à ce qu'il sorte de l'avant comme ça. Voilà. Regardez. Ici. On reste ici avec l'hameçon qui est camouflé ici. Et on va donc lier avec le mètre de fil. Donc ici. Voilà. Des tours. 4 ou 5 tours sur le fil. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. On fait entrer donc dans la boucle ici. Regardez, ici, il y a une boucle qui s'est construite. Donc, on va faire entrer le fil, le bout du fil dans la boucle. Et on va serrer. Voilà. On va serrer donc le fil comme ça. Et on va couper l'excédent. Ça va couper donc cet excédent-là. Voilà. On aura ceci, voilà, le leurre
qui est relié au fil. Voilà. Le bout de cette ampoule donc, qui relie notre leurre, on va la relier à l'émerillon triple. Voilà. Allez, un triple. Donc, on fait entrer le fil ici. Et comme d'habitude, voilà. Détour sur le fil et on fait entrer dans la première boucle. Ici, on insère. Voilà. Voilà, on coupe toujours l'excédent. On va couper donc l'excédent. Voilà. Voilà notre ampoule avec l'émerillon triple relié au fil fluorocarbone de 1 mètre qui est relié donc à notre leurre en plastique. Voilà. On va prendre notre bulle d'eau. Voilà, notre bulle d'eau. On va prendre 50 cm du fluorocarbone. Voilà, 50 cm, 40. Coupe. Voilà. Regardez. Ici, on va utiliser cette face pointue. Non, pas celle-ci. On va utiliser cette surface qui est pointue. Donc, pour qu'il n'y ait pas de résistance dans la mer. Voilà, on va donc l'attacher à l'une des anneaux qui sont ici. Voilà. Toujours de la même façon. Détour sur le fil. 4 à 5 tours. Voilà. Ensuite, le bout du fil, on fait l'entrée sur, donc dans la boucle, ici. Voilà, on serre comme ça. On coupe toujours notre excédent. Voilà, on va couper cet excédent-là. Voilà. Il reste ici. Le bout de ce fil, donc, qui relie le bildon. Voilà. Le bildon qui relie donc au fil, on va le relier à l'émerillon triple. Voilà. Regardez. Ici, il y a le fil qui relie donc leur poule de calamar. Et ici, on va le faire donc lier à une des anneaux de l'émerillon triple. Voilà. Toujours le même nœud. Voilà. Et on serre. Voilà, on serre. Et on coupe toujours l'excédent. Ça y est, il nous reste cet anneau-là qu'on va relier donc ici à la ligne du corps de ligne du 45 qui vient du moulinet. On va donc la relier ici. On aura ici notre montage. Voilà notre montage. Voilà, on aura notre bildeau. Voilà notre bildeau
relié à un méridien triple. Aussi, dans cet anneau-là, il y a notre leurre, voilà, qui est relié à notre leurre. Voilà. Et ici, on va le relier donc au corps de ligne. C'est la même chose pour les raglous, toutes sortes de raglous. Voilà. Toutes les sortes de raglous, c'est le même montage. Vous faites le même montage. Vous choisissez simplement ce qui convient à la mère, les couleurs qui conviennent. Voilà. Et voilà. Beaucoup de sortes de leurres souples, soit des calamars, des petits poissons. Voilà. Donc, choisissez donc ce qui convient donc à votre pêche et vous utilisez le même montage. Voilà, c'est tout pour donc ce montage. Donc, je vais vous faire donc une photo du montage très clair, donc pour que vous fassiez la même chose. Donc, merci de votre attention et à bientôt. Donc, si vous avez aimé, vous n'avez qu'à faire donc un like et vous abonner à la chaîne pour du nouveau. Merci.